Et vous pouvez le saluer bien fort avec les mains, on lève bien les mains, le salut, et on faisait des plans papier sur des grandes tables, des grandes planches à dessin, c'est comme ça qu'on appelait ça. On avait par l'indication d'autres systèmes modernes qui sont extrêmement classiques, les avions au milieu. On a vu Alain aussi sur l'avant, sur le début d'avion, ça me semble titré. Et oui, cet avion, il avait deux vocations principales. On va le voir là. Je lui fouille les moteurs. Le front de l'Est, avec ses particularités, puis surtout, il découvre des pilotes en face qui sont redoutables, ceux qui ont été formés sur du terre, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Alors, la firme Yakovlev, elle a évidemment survécu à la guerre, elle a continué de construire des avions, et des avions en réaction. Et puis, dans les années 60, elle a construit des avions à hélice. Le Yak 50, qui est aujourd'hui présenté par Anthony Mozart, c'est un avion à la fois extrêmement traditionnel. Vous entendez le bruit de ce moteur, qui est un petit peu feutré, mais qui est un bruit de moteur en étoile, donc une technologie assez ancienne, une technologie des années 30. C'est-à-dire que le pilote, quand il fait sa ressource, il va peser 6 fois son poids. 6 fois son poids. C'est-à-dire qu'en gros, il est écrasé. Voilà. Et c'est un avion donc. Capitaine Marlotto, impressionnant ce qu'il fait là, hein. C'est vraiment exceptionnel. Il va nous dire un petit mot, c'est impressionnant ce qu'il fait là, il se tient avec tout ça que le moteur. On peut l'applaudir, les messieurs, ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel avec ce nom, avec ce poteau. L'avion est devenu un cocktail, il a fait du stationnaire, c'est pas fait. On va voir ces pilotes qui fait une accélération exceptionnelle et qui arrive quand même à nous parler, dire un ici, dans le ciel du Flying Spirit de Biscarros, ici. Biscarros.
effectivement, c'est une conception totalement particulière. Alors là, nous avons changé des points. Tout à l'heure, on parlait d'avions anciens, on parlait de la préhistoire de l'aviation, on parlait des grands intégraires, on parlait de l'histoire de l'histoire. Là, on a changé d'histoire, on a changé d'époque, on a changé de... On est au début des années, à la fin des années 60, c'est un passage de très très basse vitesse. Vous voyez, là, il y a une trace de passage. À l'intérieur de ce cockpit, on a enlevé la partie arrière. Voilà, vous voyez la partie arrière, on avait une zone, une dropping zone, donc une zone de largage extrêmement réduite. Et là, l'avion qui était au ras des arbres, d'un seul coup montait à une altitude de 150 mètres et larguait ses parachutistes qui avaient à peine le temps d'ouvrir le parachute et de se poser. Voilà, donc c'est un avion extrêmement curieux, à la fois par sa forme, par ses qualités aérodynamiques, par l'emploi dont il a été l'objet, notamment pendant la guerre du Vietnam. Maintenant, les plus utilisés, c'est les plus en service actif, on va dire. Eh bien, Kevin, il y a deux Broncos aujourd'hui qui travaillent actuellement en Syrie, qui luttent contre le terrorisme. Il y a deux Broncos actuellement en Syrie. Alors pourquoi je dis malheureux? Parce qu'il est assis effectivement dans un siège avec une ceinture. Mais il a les pieds qui sont coincés sur le rebord de l'arrière de l'appareil. Et pour éviter qu'il perde ses chaussures en vol, et c'est pas une plaisanterie, hein, c'est vrai, on met du scotch, on met du ruban adhésif, et on accroche ses chaussures et le bonhomme et ses pieds à la structure de l'avion, parce qu'autrement, il risque de perdre tout simplement ses chaussures. Qui est assez faible, ce qui est quand même très très intéressant. Voilà, cet avion il est mis en œuvre par le musée de la chasse de Montélimar. Facile à construire parce que le constructeur est capable de construire un 777 en deux glaces de transport. C'est comme ça que nous construirons en grande série le Catalina, donc on va voir voler dans cette dimension. C'est ainsi qu'ils lanceront la construction en très grand nombre, puisque cet avion a été construit à quelques 15 000 exemplaires, il faut bien le Curtis Pécarnet. Cet avion est basé en région parisienne, il est précisément basé à Melun. Il est mis en œuvre aujourd'hui par l'armée qui l'a laissé dans ce qui était comme un aérodrome et qui est devenu une forêt. Dans les années 75, cet avion a été redécouvert. Le cadavre de la sécurité civile face à vous qui va faire très certainement bientôt, sûrement à largage, maintenant ou sur le retour. Face à vous. Je pense qu'il va se préparer pour un largage. Allez, les photographes, ça reste dans quelques secondes. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors évidemment, ça nécessite une grande précision de pilotage. Et donc, on tangente l'eau. Vous voyez, regardez, on voit un flash derrière l'appareil. Et en fait, l'appareil n'est pas dans l'eau. Hein. Il continue de survoler. Et l'écume qui est faite, elle est faite en partie par l'époque. Et on sera approvisionné en produits retardants. Sûrement comme à l'argent, peut-être, du canadaire. Voilà. Voilà, passage à l'anglaise avec l'argent. Voilà, de nouveau un écopage, 20, 25, 35. Et bien là, l'avion perd énormément de puissance, les moteurs perdent énormément d'efficacité. La sustentation, c'est-à-dire la capacité à voler. Allez, là, c'est un reverse. Un avion plus pilote de vous, mais je vous le sujet à vous, les faire commentaires. On vient tout très très fort. Donc cet avion ayant implanté, eh bien on va le retrouver en 74 et c'est là où cet avion va être transformé par Dassault, qui va s'appeler le super étendard, et puis au fur et à mesure du temps, on a dit 5 versions, qui va s'appeler le super étendard modernisé. À l'intérieur de cet avion, une...
carrosse. On applaudit les marins du ciel. La Marine nationale, les marins du ciel vous saluent. C'est un avion qui est encore utilisé notamment pour le cinéma. Il n'y a pas très longtemps, l'un des derniers Catalina a été coupé. Très important de la signature dont nous avons été les témoins il y a quelques instants. Elle est très importante parce qu'elle illustre l'intérêt et l'engagement de l'Amérique Biscarros aux côtés du musée, aux côtés de la solution du patrimoine. Alors, ce victime, on a vu que ce matin, il ne faisait pas très beau. Le soleil est arrivé, et là, sans signer pour ce coup de la transition, qui va être la nouvelle intervention. Et Louis Fulbert, ben, merci beaucoup. À très bientôt. Merci de votre participation. Et je vais vous dire un petit peu chez vous. Et donc là, on va revenir sur la fin de ce plateau. Hein, donc, il reste encore deux présentations. Vous avez vu le Catalina Bacari, voilà, Alain, le Catalina, un hydravion aussi extraordinaire, mythique. On écoute le murmure de ces moteurs. Allez, on a gardé deux points, et bien on volait en Catalina. Et ça prenait quand même un peu plus de temps. Catalina, vous le voyez. Allez, les photographes, c'est maintenant. Ouais, c'est magnifique. Joli passage à l'anglaise, et en plus, on a le soleil. On peut le saluer, mesdames et messieurs. Catalina, ici à Biscarros, dans le salon Biscarros. Le Catalina est un. Pendant 24 heures, il était équipé de torpilles. Une menace extrêmement forte pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était celle des U-boats. Donc c'était un avion de guerre, c'était un avion qui avait pour but de traquer ces U-boats. Mesdames, messieurs, le Catalina ici dans le ciel de Biscarros, au superbe Catalina, on peut le saluer parce qu'il va aller se poser maintenant sur la plateforme de Biscarros Parentis-Salaïte et il restera là-bas. Il très important de la signature. Nous avons été les témoins il y a quelques instants. Elle est très importante parce qu'elle illustre l'intérêt et l'engagement de l'Amérique Biscarros. Rafale solo display. Voilà.
Bonjour, je suis Marty, le pilote du Rafale de l'Armée d'air.